Salutations petit ami YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Pathfinder Kingmaker et aujourd'hui on va aller à la chasse aux braconniers. Alors j'ai passé un peu de temps hors caméra justement pour accélérer un peu les choses. Je sais pas pourquoi, je trouve que le jeu c'est un peu... enfin, m'offre une accalmie on va dire pendant qu'il recherche la tombe de Mister Armag là, celui qu'il va falloir que j'aille buter. Donc du coup bah, j'en ai un petit peu profité, c'est pour ça aussi que je fais les quêtes secondaires. Ok, on est dans une nouvelle zone, mes persos sont pas dans le bon sens. On va faire un petit coup d'anti-venin, un petit coup de protection du mal. Il est où? Il est là. Voilà. Dans le style buff, de toute façon, on va affronter des braconniers, je pense pas qu'on ait besoin de... D'ailleurs, je crois que c'est moi qui détectionne l'invisibilité maintenant. Merde, je l'ai que pour moi. Ah ou bon, tant pis. À la base, c'est pour ça que je l'avais foutu à Jubilost en fait. Ok. Bon, bah tant pis. Tant pis. Je lui ai foutu des sorts de soins à la place. En espérant que ça sera tout aussi utile. Ce que je doute fortement. Bref, c'est pas grave. Allez, on est là pour péter la gueule à des braconniers. Pétons la gueule à des braconniers. Un braconnier Mohalan. Salutations, votre grâce. Je vois que vous... mes humbles efforts visant à échapper à votre vigilant ont été vains. Qu'importe, il ne me reste plus qu'à vous offrir une offre que vous ne saurez refuser. À quoi pensez-vous? À la même chose que j'offre aux chasseurs scrupuleux et aux gardes trop curieux. De l'or, de l'or, de l'or. Tout ce que j'ai économisé au long de ma vie, rassurez-vous, c'est une belle somme. Vous ne refuserez tout de même pas une telle offre pour un petit genou qui se prend pour un justicier. Absolument révoltant. Ouais, notre bon, purée. Bon, tant pis. À la limite, ça aurait été bon tout court, ça m'aurait, j'aurais préféré, quoi. Absolument révoltant, vous répondrez vos actes devant la justice. Au secours, aidez-moi, les gars. Bah écoute, si tu m'offres en plus la possibilité de lancer le premier sort, ça tombe bien, j'ai des sorts à essayer. Ouais, non, mais boule de feu, je l'ai déjà essayé 50 fois. Cela, je les connais aussi. Souffle de dragon. Ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est un souffle, autre souffle de dragon. Oh, moi qui voulais essayer mes nouveaux sorts, c'est un peu raté. Là, j'en touche que deux. Là, je pense que je vais en toucher beaucoup plus. Donc, on va faire ça. Amiri, tu vas te mettre devant parce que tu es censé me protéger. Harim, pareil. Right here, my friend. Christian, ouais, tiens, tu vas invoquer histoire de dire. Parce que j'aime bien avoir 2-3 barons avec moi. Toi, tu vas faire de la rapidité. Et toi, déjà, tu vas pas faire ça, c'est sûr. Non, non, je t'assure. Pourquoi tu... Je veux pas que tu le fasses, attaque imprévisible. Voilà. On fera ça peut-être plus tard. Non, toi tu vas simplement attaquer. Hein. Voilà, je crois que tout le monde a quelque chose à faire. Ok, Arim, je t'ai dit d'avancer, mais c'est pas grave. Ouais, ça va, ça fait les dégâts corrects. Hein. Bah 40-40-40, ça fait 120 points de dégâts quand même. Hein. Ok, ceci étant dit, on peut essayer de calmer les gens un peu autrement. Non, peut-être pas avec ça d'ailleurs. Quitte à essayer de les calmer avec ça, on va prendre le bon sort, on va dire. Tristian, t'as des sorts de dégâts toi aussi, il me semble. Un petit peu. Voilà, tu t'en sers pas souvent, mais on va s'en servir pour une fois. Et les autres étaient de toute façon. Ok, il est où l'alchimiste? Pourquoi je n'ai plus de cible? Assez, je vous en prie, mais si je me rends... Ouais, bah, il y a tes potes à finir, déjà. Voilà, il y a tes potes à finir. Il reste. Voilà. Ouais, je crois que j'ai largement le level pour ce truc. Eh, je veux fouiller les cadavres. La justice l'emporte toujours. La femme crapule qui façonne les vêtements de peau d'être intelligent a été jetée en prison. Ok, on peut pas dire que vous étiez très riche. Tu m'as dit que t'avais toutes les économies de toute une vie. Non, il y a strictement rien.
Un bad ding, je suis déception. Très déception. Faudrait que j'aille faire la quête d'Amiri aussi, dans son village. Il faudrait que je vire quelqu'un de mon groupe et ça me fait chier. Quoique j'ai récupéré Tristan, je pourrais virer Arim. Forcément, dès qu'on se balade un peu sur la route, on se fait, comment dirais-je, alpaguer. Hein. Seigneur élémentaire de terre, ouais, je sens que ça va être douloureux. Alors toi, on va t'emprisonner dans la glace. De toute façon, il va falloir que je me repose. Donc on va y aller à fond. Hop, d'ailleurs avant de se reposer, il faudra que je change. Il va y avoir les sorts de Jubilos surtout. Ok, bon bah Amiri va taper sur ça. Valérie va taper sur ça. Lesbos va taper sur ça. Ah, on leur tape à 4 dessus. Bon, ils prennent des dégâts. Ok, ça c'est fait. En plus, on va se reposer juste après. Voilà, les dégâts qu'elle met quand même, Octavia. C'est assez infâme. Bon, bah, va pour se reposer du coup. Et même pas de loot. Bon, on aura fait de l'XP, 1080, c'est toujours ça, hein, ça fait 200 par personne. Hop, 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 hop. Alors, gestion. Du coup, non, quand il y a Amiri dans le groupe, c'est elle qui chasse. T'es gentil. Ah mais du coup qu'il n'y a plus machin. Ouais, qu'est-ce que ça fait Lucie ici mais... Bénédiction de lumière éternelle. L'adresse et prière à Sandrae double ainsi la régénération des PV et des points de caractéristiques perdus de manière temporaire. Ouais, ouais, ouais mais non, ça ira. Camouflage du camp, toi t'as un coup à nous faire repérer. Ouais voilà, t'es meilleur. Hop. Ouais voilà, ça me semble pas mal. Et pour la bouffe, on s'en fout. Croustillant fromage, je peux plus en faire. Pourquoi ? Non, disponible pour la cuisine. Très bien, c'est parfait ça. Alors, une petite scénette. Les padins de Shelin apprennent le chant, le dessin et certains jouements d'un instrument de musique. Pourquoi ne nous chantez-vous jamais rien le soir au campement? À quoi bon? J'ai déjà inutilement perdu suffisamment de temps à chanter et à jouer de la musique pour toute une vie. Je préfère affûter mon épée ou inspecter mon armure une fois de plus. Aucune chanson n'a jamais repoussé un bandit de grand chemin. Oh. Moi, je vais te faire chanter, tu vas voir. J'ai un gros micro pour toi. Bref, finissons ça. Hop là, en espérant qu'on se fasse pas attaquer, on enchaîne. Pour continuer, aller faire la quête d'Amiri. Alors, sur la route, maintenant, il traîne des araignées. On aura tout vu. Il y en a combien d'araignées? Il y en a deux. Bah, le Smilodon là, Valérie là, Amiri là. Tristan, il va attaquer ça. Titan, il va attaquer ça. Octavia, ça. Et Jubilos ça. Toi utilise pas ça. Alors, on va voir. Ouais non toi par contre il va peut-être falloir que tu utilises tes sorts. Quoique en vrai on va juste attendre. Ouais. Magnifique tir d'Octavia. Je viens de réussir à rater ces deux tirs. Voilà. Blessure légère. Voilà, ça meurt. Ça fait de l'XP. Information mise à jour. Ah oui, d'accord, 125 points de vie, machin. Ah oui, là j'ai vraiment toutes les informations, quoi. Ok. 1080 points d'XP, c'est surtout ça qui m'intéressait. Alors, nous voilà au campement des 6 ours. Qui est, entre parenthèses, exactement le même campement que la dernière fois. Mais bon, passons. Réglons cette affaire vite fait, que je puisse... rechanger de groupe et après c'est vrai que j'ai pas mal de zones que j'ai pas encore faites. Mes frères, ça peut plus durer, il nous faut un nouveau chef, cette tribu est fichue. Akai a perdu son flair, il nous a conduit tout droit dans un piège, on a bien failli se faire massacrer dans la guerre contre le Brévois. S'il respire encore, c'est uniquement parce que la traîtresse a pas eu la force de l'achever. Alors allez, on se débarrasse de ce vieux crouton. Prenez-le et étouffez-vous avec, on verra bien comment vous en sortez sans le vieil Akai. Alors, qui sera le nouveau chef? Toi, peut-être? Moi, sûrement pas. Le chef doit savoir quelle menace pèse sur la tribu et être capable de la défendre. Si on était chez nous, je ne dis pas. Mais ici, en état du sud, c'est un autre genre de chef qu'il nous faut. Je vote pour Nilak.
La foule se met à gronder, mais le barbare continue en criant pour se faire entendre. Réfléchissez, qui nous a guidés à travers la numérie? Aka et non Stenilak. Qui a négocié avec les tribus locales pendant qu'ils paradaient en bon moins d'orse? Nilak. Qui a été la seule à réaliser le danger représenté par les Armag et les sœurs? Nilak. Vous allez me dire qu'aucune femme n'a jamais pris la tête des six ours, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait encore jamais quitté notre territoire non plus. Si on veut survivre, il va falloir qu'on s'adapte. Nilak, Nilak, Nilak. Un par un, les barbares cessent de se disputer et se mettent à scander le nom de Nilak. Bientôt, l'ensemble de la tribu hurle au diapason. La jeune femme s'écarte de la foule, l'air gênée, puis elle remarque le sourire encourageant d'Amiri. Ragar Erdi est l'opine du chef. L'un des barbares lui passe le collier des crocs d'Akai autour du cou. Mes frères, j'accepte volontiers cet honneur. Je prête serment de guider et de protéger la tribu. Comme l'ont fait tous les chefs depuis que les ours arpentent cette terre, je vous sauverai du fantôme qui nous pourchasse et je nous trouverai un refuge au sein de ces mystérieuses terres du sud. Préparez-vous à partir. Voici donc le fin mot de l'histoire. J'en reviens toujours pas, j'ai jamais voulu être chef. C'est à moi, à toi que revient tout cet honneur. Il y aura jamais de place pour moi parmi les six ours, mais tu te débrouilleras très bien sans moi, Serette. Ouais, non, mais donner fric, non. Oui, je suis riche à millions, et alors pourquoi ne pas vous installer sur mes terres? Merci, mais il y a de place pour nous. Il n'y a pas de place pour nous ici, ces forêts, ces marais, ces rivières, peuplées de visages inconnus. Non, les ciseaux doivent rejoindre l'heure de l'Ekelide. Ok. Félicitations, Nilak. Merci, comme quoi rien n'est jamais impossible en ce bas monde. Où comptez-vous amener votre tribu à présent? Ben, elle vient de le dire. À plus d'étoiles, l'esprit malin qui nous hante est pas si puissant que ça. Il n'ose pas nous attaquer près des grosses villes. Ok, pourquoi on l'attaquerait pas maintenant en fait? Ouais, bref. Pff, ouais, je lui donne une pièce d'or, allez, je m'en fous, c'est de la monnaie. Merci, j'espère qu'un jour notre tribu sera en mesure de vous rendre l'appareil. Sûrement pas. Amiri, vous pourrez peut-être réintégrer votre tribu à présent, je pense pas. J'ai pas envie de perdre Amiri. Agnew Dina qui est bonne route. Ok, ils sont des adieux, machin. Ok, je m'attendais à mieux en fait. Bref, ok. Pourquoi pas. Alors, c'est un truc que je fais jamais, mais on va faire gestion de groupe, c'est l'icône ici. Hein. Pour changer un personnage, je vais renvoyer Amiri et je vais prendre Arim avec nous. Ça va prendre 2 jours, mais bon, enfin ça m'a passé 2 jours. Ce qui fait qu'il me reste à peu près une semaine, enfin quelques jours. 5 jours on va dire, et puis il faudra que je retourne dans la baronnie. J'ai envie d'un peu explorer les nouvelles zones qui sont ici. Et je vais commencer par le ravin aux framboises. J'aime bien le nom. Alors, on va voir ce qui se passe dans cette région. D'ailleurs, on est dans une nouvelle région. Toujours pareil. Hop là, si vous pouviez attendre 2 secondes. Ah, j'ai oublié de changer. On va changer de suite les sorts de... Parce que sinon je suis encore oublié. C'était sort de niveau 3. Je veux que tu aies détection de l'invisibilité partagée. Au moins un, quoi. C'est un peu trop la merde sinon. Ok, toi t'as pas de buff à faire. Toi tu viens de les faire. Et notre bon Arim, il a pas de buff à faire spécifique. Au pire, tu vas coller une vision du ciel. Même aussi, voilà. Bon, on n'aura pas forcément de. On verra bien. D'ailleurs, normalement, faut commencer par un angle pour faire les. Pour explorer une région. Après, je me suis peut-être surbuffé pour rien. Il y a l'air de rien à voir dans cette région. Il doit sûrement y avoir un événement plus tard qui va s'y passer, mais pour le moment, il y a strictement rien dans la vallée aux framboises. Le ravin aux framboises, pardon. Ok, ouais, j'y vais carrément sur la... Ah si, il y a une grotte. Ah, c'est exactement la même map, d'accord. Je commence à arriver au moment du jeu où les... D'accord, je suis passé à côté de ça sans le voir. Je commence à arriver au moment du jeu où les sprites sont réutilisés. Jubilos racine touchée. Pourquoi j'ai eu un... Bon... on va essayer de tuer ça un seul coup avec un peu de chance. Vous allez là-dessus, Valérie va là-dessus. Similodon, bah va là-dessus aussi, ou va là-dessus plutôt. Et Arim, tu vas aller là. Ouais, mais on n'a pas le temps.
Il a résisté le bois vivant? Et merde. Bon bah écoutez, après le bois ça brûle hein. This should do. On va pas s'emmerder plus longtemps que ça. Consider me provoked. On va finir lui. A clever ploy. Tiens, utilise tes bombes. Ce sera ça de fait. Hop. Il devrait pas faire long feu. Ah mais c'est résistant ces merdes. Ok, le smilodon tu peux taper sur ça maintenant que t'as fini là. On en parle. Ah, il y avait Valérie qui a passé un level aussi. Tiens. Hop, à deux ils ont fini. Bref. Oui, il y a Tristan, il est là. Tristan. Tiens, tu veux pas faire un... Attends, c'est un... à portée ou pas? Ça, oui, c'est un à portée. J'aurais préféré un soin pas à portée et pas de groupe en fait. Soin important, ouais, essaye ça, tiens. Histoire de remonter un peu le clébard. Pas beaucoup. C'est histoire de le remonter avant de réattaquer. Bon, mais c'est cool, Jubilas, t'as passé un level aussi. Ah, j'ai bien fait de refaire revenir à Rime, hein, sinon il aurait été paumé après dans les niveaux. On a déjà Tristan qui est paumé. Bracelet de fragment métallique, ça c'est cool. Hop, ça, ça vaut de la merde, oui, voilà. Hop, des pieds pierres. Je peux pas rentrer dans la grotte a priori. Il y avait vraiment que ça, d'accord. C'est vraiment la zone pour faire du remplissage, j'ai l'impression. Pourquoi pas. C'est pas grave, ça me ramène des sous. Ma foi, je vais pas me plaindre. J'ai oublié un butin ici. Ah non, c'est l'armure qui reste. On va aller voir s'il y a rien d'autre au-dessus. Et après, je ferai une petite ellipse pour faire mes yeux. Mes levels et quitter la zone. A priori ça va être vite fait parce qu'il y avait strictement rien dans cette zone. Bon bah écoutez, peut-être rien mais au moins c'est fait. Ok bah maintenant ma foi on est le 24, le temps que je rentre dans mon village, dans ma capitale. Je crois que ça fera le 26. Est-ce que... Mais il y a de jour, un jour, ah oui bon ça va, s'il n'y a qu'un jour de marche, on peut continuer un petit peu à explorer. Bah, je vais aller dans la route de campagne du coup. Où on y va là-bas? Par là peut-être? Ouais voilà, par là. Et hop là, on va voir ce qui s'y passe. Alors, que se passe-t-il ici? On voit qu'il y a des choses à pied. Ok. Première vue, je suis tombé sur un joaillier. Ah oui, vraiment pas mal de joaillerie. Harnaché comme il l'était au chariot, ce pauvre cheval n'a pas pu échapper au loup. Oh, c'est triste. Pauvre bête. Par contre, on arrive dans une nouvelle zone. Et j'ai plus de buff sur lui. Donc on va refaire les buffs avec Arim. Non. Tu attends. Tu attends le jingle. Ouais, contre le mal, parce que d'habitude on fait mal, mais je sens que ça va être la merde. Golem de pierre réalisé avec art. T'attaques pas? Ok, heureusement qu'il y a Jubi. Pourquoi mes persos font les cons comme ça là? Non, on va s'éloigner. Ouais, ouais, c'était malheureusement prévisible. Valérie essaie de bloquer. D'ailleurs, hop, sinon vous ne toucherez jamais. Et vous, on est reparti. Ok, bon bah Jubilose va faire tout le taf, je sens. Ah oui, mais je le touche à 5 points de dégâts. Bon. Les bombes ont fait le taf. Quand je le dis que les alchimistes, c'est de la bombe. Alors, lui, au premier vue, il avait créé un golem. Le visage du magicien mort affiche un air étrangement paisible. Vous n'en marquez aucune blessure de morsure sur sa dépouille. Je peux pas le fouiller? Comment ça, je peux pas le fouiller? C'est dégueulasse. Je vois pas pourquoi je pourrais pas le fouiller. Ça bug encore, ça. Bref. Ok, donc il s'est fait avoir.
je sais pas, un magicien, il a peut-être une robe intéressante. Quelque chose, quoi. Ok, a priori, il n'y a rien par ici. Encore peut-être une zone qui sera exploitée plus tard, je ne sais pas. Toujours rien. Ça me paraît bizarre là quand même qu'il y ait strictement rien dans ce bled. La sortie. Et la fameuse rivière, une espèce de rivière asséchée. Ouais, bon, bah écoutez. C'était la zone, la route de campagne. Mais ils me disent bien qu'il y a du butin là. Comment je fais pour le prendre? Parce que dès que je vais pour le prendre, ça me met non. Ils me disent bien qu'il y a du butin pourtant. J'ai vu la main. D'accord, putain. Ok, lettre inachevée et un chapeau. Casque de tireur d'élite. Augmente l'attaque du porteur de plus 2 s'il utilise visée et lui confère un bonus de compétence de plus 5 sur ses jets de perception. Ok, Osef. Lettre inachevée. Mon aimé, je profite d'une halle dans les terres sauvages de Glenebon pour t'écrire ces quelques mots. Oui, tu as bien lu, j'ai enfin décidé de m'éloigner un peu de Pitax. Certes, la potion magique de ce bon vieux Cairn Verrel va me manquer, mais j'ai fort heureusement fait des provisions avant de partir. Cette prévoyance sera sans doute la bienvenue quand nous célébrerons nos retrouvailles. Quant à ma patrie, la situation ne fait que s'aggraver. Hirovetti devient insatiable. La garde et la guilde des voleurs s'affrontent ouvertement. Les vieilles maisons marchandes ne cessent de comploter, et même l'académie ne serait pas épargnée par la présence occasionnelle de libres penseurs. Je suis sûr que la marmite finira tôt ou tard par déborder et je préfère ne pas être dans les parages lorsque ça se produira. J'ai également hâte de te revoir. En attendant, bah écoute, on va embarquer la lettre. Ça sent la quête. Ça sent la quête. Bon, comme quoi il faut toujours vérifier sa carte pour être sûr qu'il n'y a plus de butin. Alors que nous tentions de traverser l'un des nombreux petits cours d'eau de la région, nous avons rencontré un vieillard que même les habitants du coin auraient trouvé louche. Ha ha ha, braves gens, galopassiez-vous comme ça, serions-nous pas en train de fuir ma parole, ou en recherche étude? Ah, j'avais vu juste vous cherchassiez quelque chose, vos yeux mentionnant pas. Eh bien, comme qui dirait, qui cherche étude trouve étude, je peux vous aider pour sûr à condition de casquer comme il faut. Je proposais un petit pari. C'est bien beau de vouloir capturer ainsi un barbare qui trotte partout avec le nom d'un mort, mais savez plonger assis au moins. Pouvons vous noyer un petit coup dans les eaux du Père Sélène, histoire de se rincasser le gosier et d'avaler quelques bonnes lampées de limon. Si vous tenassiez le coup, je vous aiderais volontiers. Sinon, je ne peux jamais vous revoir. Bah écoute, on va tester. Je sens le piège. Échec du test d'athlétisme. Bon, ben on va te chiser un peu. Réussite du test d'athlétisme. Valérie s'est courageusement dirigée vers le vieillard. Sans perdre un instant, le prêtre l'a saisi par les cheveux et lui a plongé la tête sous l'eau. Alors que les plantes aquatiques lui chatouillaient le visage et les oreilles, se remplissaient des murmures du sable glissant sur l'île de la rivière, Valérie s'est soumise à l'épreuve sans opposer de résistance. L'air dans ses poumons lui permettait de tenir un bon moment. Une vision vague a soudain envahi son esprit. Valérie se voyait flotter au-dessus des terres volées, profitant d'une vue panoramique du paysage encore un instant, et elle serait sans doute en mesure de repérer la tombe d'Armag. Valérie a 45% de chance. Échec. Ok. Les hauteurs de Glenebon, vaste et vallonnée, parsemée de rochers et sillonnée de cours d'eau dans la zone centrale. Dans la zone centrale, au nord de la prairie de Silex, B, la gueule d'un tunnel. D'accord, donc c'est au nord de la prairie de Silex. Ok. Donc il fallait au nord de la prairie de Silex. Il faudra aller là, quoi. C'est ça qu'il est en train de me dire, le jeu? Bon, on va aller voir. Camp maléfique. Ok. Si j'avais su, je serais allé là beaucoup plus tôt en fait. Ravin au hurlement. Il y a plein de choses qui apparaissent, c'est cool, mais. A priori, c'est par là. C'est par là. Ils me disent au nord. Au nord des plaines. Ok. Et
Et là, on arrive dans un combat. Ok, un champion squelette. Pourquoi pas? Ça peut-être dire que je suis à la bonne voie. Par contre, Amiri... Valérie, pardon. Ah, mais... Je crois que... J'ai oublié de lui remettre son armure. Ok. Ok. Alors, hop, remets ton armure. Pourquoi tu peux pas? Ah, mais on est plus en combat. Voilà, tu peux remettre ton armure maintenant. Ok. Moi, je suppose qu'ils ont rien sur eux. Ça serait trop beau. Ah, 200 pièces, toujours ça de gagner. Bon, et en attendant, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Parce que du coup, à première vue, ça serait la tombe de machin. Et du coup, le truc est apparu. Tombe d'Armag. Bon. Le problème, c'est que là, tous mes persos sont fatigués. Donc, je vais être obligé d'aller dormir. Et que c'est la fin du mois. Est-ce que je partirai pas à la baronnie? Aller-retour, ça me ferait perdre 4 jours. C'est pas dramatique pour... Revenir fatigué, de toute façon je serai obligé de me reposer, mais au moins, ouais, 4 jours ça fera le 30, ce sera pareil. Ouais, autant aller à la tombe d'Armag du coup. Enfin, en même temps, je vais pas commencer une zone alors que je suis pratiquement à 30 minutes d'épisode, même si je vais faire du montage pour qu'il dure un peu moins. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de devoir patienter jusqu'au prochain épisode. Et au prochain épisode, on ira dans la tombe d'Armag. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de mes aventures dans Pathfinder Kingmaker. Bye bye, mes amis YouTube.